Tellement longtemps que je suis pas rentré sur une vidéo YouTube comme ça. 3, 2, 1. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo, j'ai pas trop le plaisir d'en parler ni de faire un sujet dessus. Mais je suis tombé sur une pépite et je vais vous expliquer ce que c'est. Comme vous avez pu l'apercevoir, ces derniers temps, il y a des émeutes dans toute la France. Il y a des gros problèmes suite au décès de Naël. Voilà, les choses se sont un peu précipitées. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de catastrophes. Pas naturelles cette fois, mais plutôt des catastrophes urbaines. Je ne prendrai pas parti, je suis pas là pour diviser qui que ce soit. Juste que le petit repose en paix. J'ai pas mon avis à donner dessus. Comme vous le savez, depuis le décès de ce jeune homme, il y a beaucoup de gens qui ont fait des cagnottes litchi pour la famille, pour le petit, pour les funérailles, pour les enterrements, etc. Pour aider tout simplement la famille de Naël. Voilà, une cagnotte, c'est une cagnotte, c'est pour aider une famille. Mais vous savez qu'il y a toujours des personnes qui escroquent les autres. Et bien entendu, je suis tombé sur une pépite qu'on m'a envoyée. J'ai une personne qui a fait une cagnotte litchi, soi-disant pour la famille, pour la mère de Naël. Etc. Donc moi, j'ai essayé de contacter ce mec. Au début, j'ai pas réussi. Puis j'ai laissé un commentaire, j'ai fait un petit don. Il a pris mon adresse email. J'ai dit que je voulais faire un don plus important, une valeur de 2000 euros. Et il m'a de suite contacté. Pas étonnant, quand on parle d'argent, les gens vous contactent. J'ai dit voilà, je vais te donner 2000 euros tout simplement pour pas que litchi prenne un pourcentage dessus et que le 2000 euros aille à 100% dans la poche de la famille. Bien entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, Anto, pourquoi pas? Prends le train et j'arrive. Donc le mec, il va venir, je lui ai donné rendez-vous. Vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai piégé. J'ai réussi à avoir gain de cause. Les gars, regardez la vidéo dans son intégralité. Je vous fais de gros bisous. Faites attention à qui vous donnez de l'argent et ne faites pas de fausses cagnottes. C'est pas bien et en plus de ça, c'est illégal. Allez, à tout à l'heure et que Naël repose en paix. Ciao. Bon les gars, on est au point de rendez-vous avec le mec qui a créé la cagnotte. Donc je l'attends ici, il ne devrait pas tarder. Et on va voir ses véritables intentions, même si on a des gros doutes sur le fait que c'est un voleur, tout simplement, que c'est un arnaqueur. Et des fois, ce cagnotte litchi, c'est pas la première fois ni la dernière qu'on en verra. Donc je vais le faire venir ici, je vais lui faire croire que je fais un gros don et je vais lui demander un peu des explications, des justificatifs. Je vais le piéger, je vais lui poser des questions pour voir un peu ce qui se passe et tout, machin. Hein? Donc on l'attend là et dès qu'il arrive, on se remet à filmer. Allez, à de suite, les gars. Il y a un mec qui arrive. Je pense que c'est lui. Bonjour. C'est vous le monsieur de la cagnotte? C'est ça, c'est pour Noël. C'est ça. C'est vous qui faites la cagnotte pour Noël? C'est ça. Non, c'est pour Anthony. C'est ça, c'est moi. D'accord. Voilà, moi je suis honnête, je vous ai fait venir ici. Mm-hmm. Parce que je préfère vous donner l'argent en liquide. Mm-hmm. Plutôt, moi j'ai un gros don à faire. Genre j'ai 2000 euros. Oui, c'est bien ce que je m'avais dit sur mail. Voilà. Et en fait, si vous voulez, je préfère vous les donner à vous. Parce que vous savez, sur litchi, vous connaissez un peu, ils prennent des taxes, ils prennent des frais. Donc là, moi, et puis même, moi, je sais à qui je les donne, je vois le personnage en chair et en os, comme ça. Ouais, un bon gabarit. Non, parce que je suis un peu émotif, tu as vu, ça me fait quelque chose. De moi, tu as vu, j'aime bien donner aux gens pour la bonne cause, tu vois. Ouais, mais c'est un peu bizarre quand même, que vous me touchez comme ça. Mais parce que je suis content de vous voir. Je suis content, monsieur. Je suis content, je vous verrai plus sourire que... Ah, mais je vais être fermé quand même, monsieur. Mais ça, c'est un peu mieux. Ça, c'est un peu... Monsieur? C'est un peu mieux, monsieur. Monsieur? Vous allez bien? Monsieur, vous êtes bloqué ou... C'est bizarre, hein? Monsieur? Faites peur, monsieur, attends. Tombez pas. Pardon, j'ai eu un moment d'absence, je suis désolé, excusez-moi. Attention, les fourmis, je suis en train d'écraser des fourmis là. Voilà, fais attention. Pardon. Parce que tu as vu, moi je veux sauver des vies, je suis un mec qui est dans la protection animale. Ouais, je vois, pas des fourmis. Voilà. Mais ouais, plus cher. Et encore les fourmis. Excusez-moi. Encore, là, vers là. Viens là, ici. Calmez-vous. C'est très bizarre, vous me faites peur, monsieur. Non, mais je suis fatigué, je suis. Bref. Vous pouvez reculer un petit peu, oui, excusez-moi. Merci. Non, c'est bon. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Bougez plus. Non, mais. À quoi? Non, j'ai appelé pour moi. Comment c'est comme si on s'était jamais vu? Parce que. Allez-y, repartez, revenez me voir et comme si on se connaissait, on s'était jamais vu. Allez-y. Ça, non, mais parce que. Ça m'aide, c'est une blague? Non, ça. Non, ça m'aide psychologiquement, moi. À repartir. Non, parce que je suis venu. Mais oui, je sais, mais parce que de la route. Je sais, c'est pour ça. Vas-y, revenez. Faites-moi confiance, allez-y. On recommence, allez-y. Là-bas, encore? Encore un peu? Voilà, là, c'est bon. Allez-y. Bonjour.
C'est bon. Bonjour. Cagnotte. Oui. Voilà, et moi je m'appelle Anthony, enchanté. Oui. Et j'aimerais savoir, voilà, si là j'ai 2000 euros sur moi, d'accord? Oui. 2000 euros en liquide. Et je vais vous les donner pour la cagnotte litchi. C'est vous qui faites la cagnotte litchi pour Naël? C'est ça, les fourmis. Attention les fourmis. Oui, oui, je vois ça. Non, mais il y en a encore là. Je vois ça. C'est vous qui faites la cagnotte pour petit Naël? Oui. Ok, vous connaissez bien sa famille? Oui, sa mère et sa grand-mère. Oui. D'accord. Comment elle s'appelle sa mère? Julia. D'accord, ok. Si je vous donne les sous, après vous allez faire quoi? Vous allez les redistribuer directement à la famille? Oui, directement, directement, oui. Qu'est-ce qui me prouve que l'argent que je vais vous donner, il va être redistribué à la famille, au final? Qu'est-ce qui me le prouve? Mais vous avez l'habitude de faire des cagnottes ou pas? C'est la deuxième fois que je le fais, oui. Deuxième fois? Oui. Mais quand vous retirez l'argent, après vous en faites quoi? Ben, je retire par virement, oui. Et vous avez le compte de la mère de Naël? Oui, j'ai son RIB. Vous avez son RIB? Oui. Okay. Vous n'avez pas son numéro, vous avez son RIB mais pas le numéro. Non, on parle sur Facebook Messenger. Vous pouvez montrer la conversation? Vous avez avec elle? Je ne l'ai pas sur le téléphone, je l'ai que sur l'ordinateur. Ah d'accord. Non monsieur, je pense pas que je vais vous donner l'argent, honnêtement, j'ai pas confiance, vous avez aucune preuve de... Ah mais monsieur, je suis venu de loin, je... Voilà, pensez à sa mère aussi au passage. Que voilà, il y a une bagarre policière, donc son enfant était mineur. Pensez à tout ça. Moi, comme je vous ai dit, je suis à plus d'une heure d'ici. Je suis pas véhiculé. Ah, vous êtes venu comment? En transport, en bus, métro. D'accord. D'accord. Voilà, d'ailleurs, si vous avez un peu de monnaie pour les transports, pour le retour. Ah, si. 2000 euros, vous pouvez prendre. Moi, je demande pas autant, hein. Je demande juste un peu de monnaie. Hein. Un peu ça, les 2000 et quelques euros, c'est pour. 2000 euros, c'est pour sa famille, hein. Sa mère. Hein. D'accord. Et moi, j'ai une question à vous poser. Je peux te tutoyer? Ma question, elle va être simple et rapide, hein. Je te demande pas, ça va pas être... Mais je te dis dans l'oreille, viens. Attends, de l'autre côté, je préfère l'autre oreille. À quel moment tu vas t'arrêter de me prendre pour... Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Tu comprends pas? Non, mais pourquoi vous me dites ça? Tu comprends pas? Non, mais pourquoi vous me dites ça? Je suis venu sérieusement depuis plus d'une heure de trajet, dans le transport et tout, et vous me dites que je viens pour vous prendre pour... Alors, je t'explique. Donc, premièrement, tu viens. Tu connais pas le prénom de la mère. Tu me dis elle s'appelle Dounia, elle s'appelle Mounia. Déjà, tu as tort sur ça. De deux, tu n'as pas le numéro. D'accord? Tu n'as pas de conversation. À me prouver que tu la connais. Tu n'as pas sur moi. D'accord. Tu n'as rien sur toi en fait. J'ai rien sur moi. D'accord, tu n'as rien sur toi. Tu n'as pas de conversation à me montrer. C'est pas sur moi normal. En plus, tu viens, tu écrases des fourmis. Donc, ça, c'est un truc que je tolère pas. Quand c'est que tu vas arrêter de me prendre pour une. Je ne prends pas pour une. Bon, je vais te dire un dernier truc. T'as vu là? Tout à l'heure on discute, c'est rigolo, bon c'est bien, machin, en chair et en os. Ne me touchez pas s'il vous plaît. Je vais te toucher vraiment, je vais te faire mal, j'ai pas envie, tu vois. Donc écoute-moi. Tu m'écoutes? Bon. Parce que je suis un peu taré dans ma tête, t'as vu des fois? Là c'est en train de me monter un petit peu parce qu'on touche un sujet qui est assez sensible. Depuis tout à l'heure tu es filmé. Je suis quoi? Filmé. T'es filmé à filmer? Filmé, caméra, caméraman. Oui, non, j'ai compris, d'accord. Mais pourquoi filmer? Parce que, tu vois ça? Ah. T'as vu Superman quand il enlève son truc et il y a le S de Superman? Mais moi c'est pareil mais en Kamoff. Tu sais, tu connais Kamoff? Tu connais pas sinon tu m'aurais reconnu. Donc je t'explique, Kamoff c'est quoi? C'est une chaîne YouTube avec presque 1 million d'abonnés. D'accord. Qui piège des enculés comme toi. D'accord. Ok? Ok. Et depuis tout à l'heure tu es filmé, il y a une caméra qui est juste là, à côté. Mm-hmm. Et regarde là, dis-lui coucou, fais ça. Coucou caméra. Coucou caméra. Il se cache mais on a tout maintenant caméra. Coucou. Ça sert à rien de se cacher hein. Non mais c'est juste que vous filmez contre mon consentement. Oui mais toi tu fais des cagnottes alors que personne n'est au courant frérot. Donc on va faire simple. La cagnotte. C'est une vraie cagnotte? Oui. Ah tu continues à dire oui en plus. Donc ça te dérange pas si j'appelle les flics qu'on vérifie ça, tranquille. Je les appelle, je leur demande si... Non, non, c'est pas venir. C'est pas. Attends, on a un petit coup de fil, ma biche. Attends ma bichette, on passe un petit coup de fil. Monsieur, bonne journée. T'es sûr? Bonne journée. C'est que c'est... Alors je t'explique aussi. Ah fais attention fourmi, c'est bien là, tiens fais attention. Bravo. Si tu t'en vas, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Si tu pars, la vidéo là, qu'on a, je vais la mettre sur internet. Mais je vais pas fouter ton visage, hein, je le mettrai comme ça tout le monde te reconnaît en plus. Au moins les gens, ils savent qui t'es, ils savent que tu fais des fausses cagnottes. Et puis en plus pour les flics, ce sera plus facile de t'identifier, étant donné qu'on a ta gueule maintenant. Alors qu'est-ce que tu fais? Je les appelle? Allez. Je les appelle. Un petit coup de fil. Oh là là. Putain, je les appelle. Bon, c'est bon. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bon. Je vais leur parler. Pour toutes vos demandes non urgentes, c'est chez vous. Oui, c'est bon. T'es sûr?
Ouais. T'es sûr de toi? C'est faux alors? C'est bon, c'est faux. C'est bidon. C'est faux, c'est bidon. Tu connais pas la mère? Je connais pas la mère. Tu connais pas le fils? Non. T'es pas de Nanterre, t'es d'ici? C'est ça. Parce que t'as un accent un peu marseillais. C'est ça. Je suis au-dessus de Marseille. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Des fausses cagnottes? Ouais. D'accord. Bon, les amis, vous le savez, on peut pas laisser un acte aussi grave sans rien faire. C'est pas possible. Comme vous le savez, vous restez à la fin de la vidéo à chaque fois. C'est parce qu'on a des belles sentences, des beaux trucs façon Camo. De toute façon, lui, il méritait en plus. Donc, dans 3, 2, 1, je vous montre la sentence maintenant. Voilà. Spider-Man est passé par là, les gars. Il nous a donné un petit coup de main. Tu sais qui punit les méchants? Voilà. Il n'arrive plus à bouger. On a cellophané au banc. On a enlevé une planche du banc pour le cellophaner exprès. Pour plus qu'il bouge. Mais on va rajouter un petit truc rigolo parce que c'est très facile, frérot. Moi, à chaque fois, j'attache des gens et à chaque fois, après, ils se libèrent. C'est trop traîné, frérot. Lui, il mérite un truc de fond. On va lui enlever une petite chaussure. Mais vous voyez pas la sentence arriver. Moi, je sais ce que je vais faire, mais vous. Vous la voyez pas, la chaussure. Hein? Bouge pas, bouge pas. Non, non, j'ai plus des pieds, c'est non. Là, il y a un petit pied. Et non, les amis, on va pas y lécher les pieds. Oui, ça c'est vrai. Regardez. Mais ça? Remets-moi la chaussette. Je vais te la remettre, t'es prêt? Arrête, il essaie de coincer la pluie avec ses pieds, frère. Et alors? Arrête! Arrête quoi? Bon, il est où ton téléphone? Dans mon sac. Dans ton sac? Tu veux que j'arrête de te faire des... Oui, s'il te plaît. T'es sûr? Tu me donnes le code de ton téléphone? Non. Tu veux pas? Non. T'es sûr de toi? Oui. C'est bon, je apparemment, ça fait pas trop d'effet la plume, donc on va y aller avec les mains. Je me laverai les mains après, c'est pas grave. Tu vas me donner le code de ton téléphone, toujours pas? Non, non, non. Ok. Le code! Le code! Dis le code! Donne le code, 2909. Putain, c'est la première fois que je rigole autant. C'est la première fois que le mec en pied, je rigole autant aussi. 2909, il rigole encore le mec. 2909, allez. Ouf, on va aller sur la cagnotte. Il rigole, moi aussi d'ailleurs. Ouais, trop bien cette vidéo. Alors, cagnotte. Ouais, après je te détache, t'inquiète. Ah, je suis sûr de supprimer la cagnotte déjà. Identifiant mot de passe. Allez, on recommence. Non, c'est toujours le même. Hein? Ah, c'est pas 2909, arrête de m'emboucaner. C'est quoi, Ivan? Hein? Adresse email. Allez! Allez! Mot de passe! Mot de passe! Quoi? Allez! C'est bon, on a réussi à se connecter, les gars. Allez, supprimez la cagnotte. Terminares. Fini, redistribuer l'argent. C'est en cours de traitement. Je te laisse ce téléphone ici. Ouais. Ça t'a plu ou pas? Ouais, c'est le pied au passage ou pas? Allez, cherche lui, cherche la merde. Allez, on recommence. Bon les gars, je vous laisse sur cette. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous et à qui vous donnez des cagnottes, il y a souvent des bâtards comme ça. Il y a souvent des arnaqueurs comme lui. Donc, attention. Mercredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.